sûr. On y va tout de suite. Allez. Remember my name. Fame, c'est 4 années d'études d'une poignée d'étudiants que l'on va suivre donc de leur arrivée dans l'école où ils sont très maladroits, où ils ont du talent mais ils ne savent pas comment le canaliser. Et puis on va les suivre sur ces 4 années d'études où ils vont ressortir avec au moins un premier bagage pour commencer une carrière ou commencer en tout cas à trouver des premiers contrats. Carmen, c'est une élève de l'école qui vient et qui croit que c'est facile d'être comédienne et de réussir et d'être tout de suite star. Donc elle n'écoute pas ses profs, elle fait un peu n'importe quoi. Et forcément, avec les chemins de la facilité, elle se brûle les ailes. On dit que pour devenir un artiste, il faut d'abord apprendre à être un artisan. Et c'est un métier qu'on doit apprendre. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Une belle promesse, moi j'en ai ma claque. Qu'est-ce que ça fout que j'ai pas. Qu'est-ce que j'ai mis de merde. J'emmerde la vie. Je me demande bien ce que je fous ici. Dans Fame, j'interprète le personnage de Tyrone, qui est un élève réputé sensible, en difficulté. Voilà, c'est quelqu'un qui souffre énormément. C'est un élève avec lequel on n'a pas particulièrement de sympathie au départ, mais ça vient par la suite, je vous rassure. Miss Belle, c'est une prof de danse classique, tirée à 4 épingles. Et en réalité, c'est une femme qui a tout de suite repéré que Tyrone était un garçon plein avec de l'or dans les mains, les pieds, le corps. Et donc, qui va essayer de sortir de l'engrenage dans lequel il est, puisque c'est un garçon de la rue. Non mais, on s'en tape de ça, parce que franchement, c'est quand la dernière fois que t'as vu un black dans le lac des Signes, toi? J'avais peur de ça, le noir du Bronx, qui sait pas lire, je me suis dit, alors là, je vais au casse-pipe. Et puis, on a vraiment peaufiné la chose, on en a fait quelqu'un de sensible, plutôt quelqu'un de cliché. Vous verrez mon nom en lumière, Carmen Diaz. Ay, mamacita! Toutes ces émissions Starac, Nouvelle Star et compagnie, qui d'ailleurs ne prétendent pas créer des artistes, mais des stars, ce qui, sont deux choses complètement différentes, prônent le fait qu'en médiatisant quelqu'un à outrance, on peut du jour au lendemain en faire une star, peu importe finalement son niveau de talent. Fame, c'est précisément l'inverse. Génial, ça c'est la pleine à la formation. Fin, la salle tout le monde debout, est debout, je suppose. Avec Jean-François Lecaille qui a réalisé ce sujet. Et fort bien. Et fort, il était même lui était avec ses moustaches debout. C'est pour vous dire vraiment. Avec les moustaches au vent. Voilà. C'est pour vous dire vraiment si ça fonctionne. Allez le voir, vous allez passer, allez voir ce spectacle. C'est 1h30 de bonheur. Voilà. Ok. Au Casino deux heures de bonheur. Au Casino de Paris jusqu'au 7 août. Très belle un bon salle. Spectacle pour l'été. Merci Frédéric.